ce qui m'a le plus aidé ici, c'est ce qu'on appelle la salle du patrimoine. C'est une salle où on peut emprunter, enfin faire sortir des magasins, les pièces rares. Il faut mettre des gants pour regarder certaines choses. Et moi, je me suis servi notamment de cette salle pour faire sortir des dessins d'artistes de vitraux. On peut les voir sur Internet, mais il y a des choses qu'on préfère voir en vrai. Par exemple, les dessins de vitraux que j'ai pu voir, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs très chatoyantes qu'il y a sur le papier. Pour certains, c'est pas des couleurs d'impression, c'est des couleurs, c'est peint à la main. Puis on peut voir vraiment le dessin dans toute sa grandeur, parce qu'un dessin de vitrail, ça se fait pas sur une petite feuille A4, c'est quand même un très grand rouleau qu'on sort, qui fait la longueur d'une assez grosse table. Et du coup, on peut vraiment prendre conscience, en fait, du travail que ça a été. Voir le document, on se dit aussi que, ben, il est arrivé à nous jusque-là, il a traversé en fait le temps, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et il est quand même là. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir avoir cette espèce de toucher avec l'œuvre.